Peut-être n'avez-vous jamais vu les monts Liendang sous cet aspect. Les lianes montrent la vitalité de la vie sauvage. Le rocher géant se dresse ferme et vaillamment. Comme les monuments imposants, les fleurs sauvages de montagne éclosent de plus belle, montrant la vitalité de la campagne. Devant le rocher, les herbes se courbent, créant une riche gradation. La structure témoigne de la puissance du printemps. Un silence complet, le monde retient son souffle. Écoutez, des mouvements dans ce silence absolu. La grenouille regarde devant elle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans la peinture se cache tout le printemps des monts Liendang. Cette peinture chinoise intitulée « Les fleurs des monts Liendang » a été créée par Pan Tianshou en 1962. D'une taille énorme, elle transmet la splendeur du lieu à chaque visiteur avec la dureté du roc et la vitalité des fleurs. Voici l'ancienne demeure de Pan Tianshou à Hangzhou, dans l'est de la Chine. À partir de 1962, en tant que président de l'Académie des Beaux-Arts du Zhejiang, il vit ici et fait ses créations artistiques. Les rayons de soleil pénètrent dans l'atelier de peinture encombré. Alors âgé de 65 ans, Pan Tianshou est très solennel pour peindre son œuvre. Comment sortir de la situation difficile où se trouve la peinture chinoise, tout en gardant ses sujets et ses traditions? Après des essais successifs, il a finalement la réponse. Revenons en 1953. Pan Tianshou, qui veut former l'identité nationale à travers l'éducation aux beaux-arts, souffre du petit nombre d'heures consacrées à l'enseignement de sa discipline. C'est 1953年的档案。这是教学人员名单，我们可以看到，这个教学名单里面，潘天寿啊、黄宾虹啊被划去了名字，因为当时呢，传统绘画不受重视，所以老先生呢，就是他们的教学课时啊，非常的少。
Dans les années 50, les étudiants aiment imiter les œuvres de l'époque. Avec des techniques rigoureuses du réalisme et des couleurs vives, la peinture occidentale à l'huile répond aux besoins des étudiants pour transcrire le réel et est prisée par ces derniers. La peinture chinoise est alors en difficulté face au développement de l'époque, notamment à cause de ses techniques de réalisation remontant au XIVe siècle et de ses sujets de prédilection. À cette époque, les jeunes qui veulent étudier la peinture chinoise sont de moins en moins nombreux. Presque aucun ne s'inscrit à ce cours. Très inquiet, Pan Tianshou réfléchit à comment sortir de cette impasse et réinvente la peinture chinoise. C'était une période passionnante. Les communistes chinois dirigent le peuple pour faire un nouveau monde. Chaque Chinois est fier de sa patrie et souhaite contribuer à sa construction. D'un dynamisme qu'incarnent tous les êtres qui vivent en liberté sous le soleil automnal, d'un romantisme qu'incarne le moins abrupt qui perce le ciel comme une épée sans avoir été abîmée, le recueil de poèmes de Mao Zedong publié à cette époque a donné l'impulsion à l'ensemble du milieu culturel. "一个民族有一个民族的文艺，我们说写意中国话。那么意是什么呢？大家都知道仲满桥的竹子，他说是‘牙摘卧听萧萧竹，一世民间疾苦声’，仿佛从这个竹子里面能听到疾苦的声音。所以意很显然是涉及对于主观精神境界的一种表达。" Le poème est une peinture sans forme, alors que la peinture, c'est une forme de poème. La peinture chinoise cherche toujours des beautés poétiques. Cette expression héroïque de la nature dans les poèmes de Mao a éclairé Pan Tianshou. Les monts et les eaux dans la nature sont non seulement imposants, mais ils peuvent aussi exprimer la grande époque où ils se trouvent. Dans les années 50, Pan Tianshou se rend dans les monts Yandang pour peindre d'après nature. Dans les vallées, tout est florissant. Les fleurs sauvages et les herbes fortes sont en pleine croissance. Le rocher géant se dresse devant, puissant, et occupe ciel et terre. De cette vitalité primitive et de cette grandeur splendide, il lui semble voir une nouvelle époque bouillonnante d'enthousiasme sortir de la nature sauvage. Sur cette feuille de papier de riz de 4 mètres sur 1,5, Pan Tianshou fait des traits vigoureux comme des barres de fer avec son pinceau. C'est une œuvre inédite d'une puissance incroyable. Sur cette peinture de couleurs vives, d'une grandeur impressionnante, les fleurs sauvages sont éclatantes, débordant de vie. Des traits vigoureux sans hésitation décrivent le paysage printanier dans les monts, mais aussi un hymne passionnant en hommage à son époque. Il a utilisé ce petit bloc de pierre pour exprimer sa conviction de la nation, 像大石头那样的坚实和不可动摇. La force jaillit, le souffle de l'époque que reflète la peinture s'impose.
记写雁荡山他的画的最高妙的地方，不是说我具体的画到了一个什么情节性的绘画，它实际上是在画面里面那种精神气质的一种变化。绘画或者是文艺作品的确是时代的镌刻者。La peinture chinoise accorde de l'importance à l'imagination. Le pinceau reflète le monde intérieur de l'auteur. La peinture exprime sa pensée. Des couleurs vives, mais pas vulgaires. La peinture est différente des autres qui sont austères et hautaines. Pan Tianshou montre un nouveau monde avec des sujets traditionnels comme les monts, les eaux, les fleurs et les oiseaux. C'est cette nouvelle époque qui stimule et inspire l'artiste. C'est le printemps d'une Chine passionnante.